j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le format du dimanche, la CC. Alors, je ne suis, suis pas dans mon endroit habituel parce que, comme vous savez, moi, je ne scrape pas avec des stickers, soit rarement. Du coup, les stickers sont en bas parce que je m'en sers pour mon Happy Planner. Donc là, j'ai pas trop de trucs de matériel, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc là, c'est art collage, je sais plus ce que ça veut dire. Je vous mettrai là. C'est un concept de rose bonbon coco. Et donc c'est une petite carte qui mesure 7,5 sur 12,5. Et c'est du collage. Donc il n'y a pas de, à part la taille de la carte, il n'y a pas de, de contraintes. Après, il faut aimer le collage. Donc moi, j'ai préparé quelques petites choses, mais bon, je ne sais pas trop. Je vous dis, le collage, c'est pas trop, trop mon délire. Donc je ne sais même pas. Je ne suis pas dans mon endroit habituel. C'est un peu compliqué. J'espère que vous allez bien voir. Mais bon, on va essayer. Donc j'ai pris des petits papiers. Je pars dans le thème du bleu. Donc j'ai pris des petits papiers comme ceci avec des papillons. On va venir coller. C'est un peu. Qu'est-ce que tu veux? Vive le dimanche. Donc c'est un peu compliqué pour moi de scraper ici. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais j'ai pas envie de monter la caisse de stickers là-haut. Elle est très grosse, très lourde. Il faudrait que je demande à mon fils de le faire. Mais je crois que ça le sourit. Donc, j'ai collé un petit bout de papier comme ceci. J'ai pris aussi du calque. On va se mettre un petit peu de calque. Mais on a Tigrou qui pleure. 2 minutes, Lola, il va venir. Vivement le dimanche, hein, je vous le dis, moi. Oh. Voilà, j'avais pensé mettre un peu de calque comme ceci. Je ne sais pas, en fait. Je vous dis, c'est pas un exercice que je suis habituée à faire, vraiment. Mais bon, peut-être que ça va me plaire et que je vais en faire plein après. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand il y a du relief et tout. Et là, c'est tout plat. Je sais pas. Donc, un bout de calque. J'aurais peut-être dû ancrer, mais c'est pareil, l'encre est en haut. Donc, je ne sais pas. On part directement là en à l'impro. C'est pas ce que ça va donner. Bref, j'avais encore des papillons par ici. J'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, hein, mais je voudrais bien que ça reste comme ça. Parce que vraiment, c'est très, très agréable. Voilà. Ensuite, j'avais pris une petite demoiselle. J'aurais bien voulu mettre là. J'avais pris aussi un petit cadre, mais transparent. Je ne suis pas sûre que ça rende quelque chose. J'avais pris un timbre comme ceci. Je voulais mettre un timbre. Je ne sais pas. On improvise. Hein. J'ai pris aussi des fleurs.
J'ai même pas mes ciseaux, j'ai rien. J'ai juste descendu la colle. Du coup, je vous dis, c'est un peu aléatoire ce que je vais faire. Alors, hop, on va essayer de découper. Je ne sais pas si vous connaissez ce format, mais si vous suivez la chaîne de Rose Bonbon Coco, elle en fait un tous les jours. Alors, personnellement... Ah oui, il faut mettre la date aussi. Ben, j'ai pas pris... Ah oui, il faut mettre la date. Enfin, après, je sais pas si c'est une obligation. C'est ce qu'elle fait, elle, mais... Je sais pas s'il y a une obligation. Non, je pense pas que c'est obligatoire, mais bon. Alors, de toute façon, je vois pas pourquoi je vais mettre la date, puisque j'en ferai certainement pas d'autres. C'est comme je vous expliquais, le... de stickers, c'est pas forcément un exercice qui est fait pour moi, donc je sais même pas ce que ça donne. Je sais même pas, non, vous voyez rien en fait. On va essayer de coller ça. Je sais pas, je pars vraiment à l'impro. Je suis pas sûre que le résultat soit bien, parce que comme je vous dis, j'ai tellement pas l'habitude de faire ça que... Pourquoi le chien il pleure? Quelqu'un peut s'en occuper? Voilà. Oui, il va y aller. Ben ça, du coup, je sais même pas si je vais le mettre, mon... J'avais pris aussi des petites écritures noires comme ça. Et je voulais mettre un petit cachet de cire, je ne sais pas. Je vais essayer de découper ça, mais avec un grand ciseau, c'est pas super évident. J'aurais pu quand même descendre mes ciseaux, voilà. Mais je vous avoue que j'ai eu la flemme de monter. Du coup... Voilà, je fais avec ce que j'ai là. Bon, j'avais des petites écritures noires que je voulais mettre là. Ça ressemble à rien, il n'y a rien d'écrit. C'était juste pour décorer un peu. Alors, est-ce que c'est autocollant, ça? Oui, rétro collection, 3 pièces. Eh bien, on ne sait pas, c'est pas marqué en français. Alors on va essayer. Hein. On va essayer. Bon, si j'y arrive pas, je vous mettrai sur pause. Ça dure trop longtemps. Plus j'ai pas d'ongles. Aïe aïe aïe. Et je vois pas grand chose. Comme ça, c'est la totale. Bon, écoutez, je crois que je vais vous mettre sur pause et je vais essayer de défaire ça. J'avais peut-être une pince là. Oui, il va y aller, Lola. Écoutez, je crois que je vais vous mettre sur pause. Je suis même pas sûre que ce soit un sticker, ça. Bon, je vous mets sur pause. J'essaye de décoller ça et je reviens. Bon, voilà. J'ai réussi à décoller. Ça n'a pas été évident. Donc, j'ai pré-décollé tous les autres, sauf la... La petite demoiselle. Donc, on va coller le timbre ici. On va coller notre cachet de cire par ici. Voilà. On va coller notre petite demoiselle. Alors, j'espère que je vais réussir à l'enlever. Oui, celui-là est facile à enlever. Je ne suis même pas sûre que ça tienne bien dans le temps. Hein. C'est des rouleaux de je ne sais plus où. Chine ou Temu. Pas sûr que ça tienne super bien dans le temps, mais bon,
ça s'enlève, on remettra de la colle. Voilà. Voilà, ça m'aurait mieux plu avec un peu d'ancrage autour. Je pense que ça aurait été un peu plus joli. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Bonjour Tigrouf. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Ah oui, j'avais pris un petit mot aussi. C'était quoi? Ceci est mon endroit de paradis. Alors la couleur, elle est pas exactement dans les mêmes tons, mais je trouve que ça passe. Par contre, j'aurais dû. Bah oui, j'ai bien fait de prendre une pince. Ben, vous voyez, je partais un peu à l'impro comme ça, en me disant que ça n'allait pas me plaire. Si je le colle à l'envers. En me disant que ça n'allait pas me plaire, que c'était pas mon truc, patati patata. Et je suis un peu surprise du résultat de ce que j'ai fait. Ça manque un peu d'encre. J'aurais dû mettre un peu d'encre. Voilà, le calque. Bon, ça se voit plus trop. Mais je pense que si j'aurais mis de l'encre, on aurait vu un peu mieux les différentes couches de papier. Ça aurait un peu ressorti. Mais tant pis. Après, je vous dis, moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est raplapla. Hein. C'est un peu raplapla. Il n'y a pas de relief. Alors, je sais pas si on a le droit d'en mettre, on sait rien. Mais je trouve ça pas trop mal. Voilà mon petit ACC. Il manque la date. Vous voyez, c'est rapide parce que c'est que du collage. Donc, c'est vraiment... On colle des stickers sur un petit bout de papier. Hugo ? Ben oui, ben. Voilà. Donc... Donc c'est assez rapide, hein. Moi j'avais préparé tout à l'avance. Donc voilà mon petit ACC, j'espère qu'il vous plaira. Peut-être ça vous fait découvrir un format si vous ne connaissez pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît la chaîne de Rose Bonbon Coco. Tout le monde a dû voir les ACC passer, parce qu'on ne voit que ça passer. Tout le monde s'y est mis. C'est sympa, c'est sympa, faut aimer ça. Je suis pas... Enfin, je dis ça, mais celle-ci me plaît bien quand même. Il faudrait que je trouve un endroit où la ranger. Peut-être j'en ferai d'autres, j'en sais rien. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il manque de l'encre autour. Ouais. J'aurais dû prévoir de l'encre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bah, écoutez, ce sera tout pour ce petit format du dimanche. C'est une vidéo très, très rapide. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.